est rendu le paparazzi, Chani. Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, non, Noémie n'est pas là, je suis seule. On pose tout le temps la question, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? T'as l'air de rien faire. La réponse est, je danse dans la vie. Donc c'est sûr que j'ai des moments que je fais rien, mais les moments que je fais quelque chose, eh ben je travaille. Je me suis dit que j'allais vous amener avec moi dans certains projets que je fais, comme ça vous allez un peu plus comprendre. Puis en même temps, je pense que c'est cool de voir c'est quoi la vie d'un danseur, parce que effectivement, c'est pas une job qu'on voit à tout le jour. Cette semaine, le travail est mariné! Donc je vais vous amener dans les répètes, je vais essayer le plus possible en studio avec elle, au Centre Bell, oui, au Centre Bell, au Centre Vidéotron. Je vais essayer de vous montrer le plus que je peux, c'est sûr que Marie aussi son privacy. Puis vous irez voir sur tout.tv, elle fait aussi un documentaire, ouais c'est un documentaire. Donc cette vidéo sera vraiment concentrée sur la vie d'un lanceur et non la vie de Marie-Mée. Alors si c'est pour la vie de Marie-Mée, t'es pas à bonne place. Donc, ça fait déjà 3 semaines qu'on a commencé les répètes. Je me suis comme décidée de faire un vlog à 3e semaine. Merde. Là, ce qui est arrivé, c'est que la semaine passée, je me suis blessée à la jambe. Donc, ça a été aussi une aventure que vous avez suivi avec moi. Ça fait une semaine que je fais les répétitions à moitié, mettons. Je prie et je reste positive parce que je vais faire le show. Il n'est pas question que je fasse pas le show. L'aventure d'un danseur blessé. Donc, voilà. Donc là, il est bientôt 10h, je ne répète à 10h. On est au studio Montréal Grand D. On est dimanche, là, puis le show c'est jeudi. Fait qu'on commence nos répètes, genre sur le stage. Fait qu'on va voir enfin comme c'est quoi qui se passe. Ici, on a petit catwalk. C'est le stage qui est au bout. Ensuite, on a le stage, le main stage. Avec les écrans, ça va être malade. On rentre dans la loge de danseur. Et puis, voilà. Et yes, les souliers sont fucking nice. On utilise cet outfit site. Jusqu'à un bain. Ouais, regarde, des petits exercices. Donc là, guys, il est minuit. On répète depuis 9h le matin. On a roulé le show 2 fois. On est arrivé, on a placé. Après ça, on a run 2 fois. Fait que beaucoup de travail. Je suis exténuée. Ma jambe m'a dit, va chier. Là, c'est temps que j'aille dormir. Demain, on se lève tôt parce qu'il faut que je sois là-bas à 8h30. Toutes ces heures de répète, vous allez avoir un bon show. C'est la bonne nouvelle. Fait que, ben, bonne nuit. Alors là, guys, on est mardi. Il est 8h25. Je dirais que je suis épuisée physiquement. Mais moralement aussi, parce qu'on se fait donner beaucoup d'informations, surtout hier, c'était la première fois qu'on le renaît, c'est fait beaucoup d'informations. Mon corps, mon dieu, j'ai mal. J'ai surtout mal à la jambe. Gotta do what you gotta do. C'est sûr qu'en tant que danseur, c'est vraiment difficile parce qu'on épuise notre corps, t'sais, puis qu'on va retravailler avec notre corps. Bon, on n'est pas tout seul à travers ce show-là, hein? Fait que si les musiciens sont folards, ben les danseurs aussi. C'est la dernière répète en studio ici. Après ça, on a congé demain. Yeah! Jeudi, ben c'est chaud, fait que... Better be good, hein? Dans le fond, j'ai juste besoin de comme 10 cafés peut-être. Un massage. Un bain. Puis Là, guys, on vient de finir notre dernière journée de répète sur le stage dans le studio. Demain, on a congé, on est mercredi, et puis après, c'est jeudi. Comment ça va, ma jambe? Ce matin, en me levant, ça allait vraiment pas bien. J'ai fait la journée, et puis ça va. Et après, je suis allée à l'ostéo. C'est comme si elle faisait de la magie un peu. C'est important, honnêtement, de, quand tu as une blessure, de te soigner, parce que tu veux pas te traîner ça longtemps. Tu sais, comme moi, là, je la traîne un peu, là, parce que j'ai pas le temps de me reposer complètement. Mais tu sais, il faut vraiment prendre toutes les précautions, surtout quand tu as un travail ou est-ce que c'est ça qui t'empêche d'arrêter. Si je peux vous conseiller, si vous avez une blessure, traitement par un professionnel, programme d'entraînement, parce que oui, c'est bon de reposer sa jambe, mais si tu reposes trop, ben c'est quand même molluste. Un bain au sel d'Epsom. Ça sauve la vie. Rouler sur un foam roller aussi, prendre du magnésium, ça fait que ton muscle se détend. Bon matin! Donc on est le jour du show. Comment je fais ça? Je suis pas stressée. Je pense que j'ai stressé rendu là-bas. Là.
Mais là, en ce moment, je suis juste comme excitée. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Puis je sais que ça va passer bien. Fait qu'il faut que j'enjoye, tu sais, chaque petit instant qui se passe. Ben, c'est ça. Moi, tout mon sac est prêt, tout mon make-up est prêt. Je suis prête. Je suis prête à partir. Fait que, on se voit. On s'en donne. Capote. On est arrivé. Puis là, j'ai un petit ami qui est là. Hey! Yeah! Malade mental, je suis fucking excitée. Je capote. I feel blessed. Yes. I feel healthy. That's amazing. I'm happy. Yes. Yes. Oh my god. Yes. Excitant. C'est essayer d'être fierce. Comme d'essayer de donner l'illusion que tu fais comme. C'est genre. Tu sais, tu Chani Blais, phénoménal, tout son talent. On a notre chum ici, la meilleure amie, le meilleur ami, l'autre meilleur ami, la maman ici. Bon, toi t'as aimé ça, c'est ça. Je décolle! Donc là, on est dernier show, jour 3. Ma face est tombée à terre. Hier, c'était malade, comme c'était... L'énergie du public, c'était vraiment fucked up. Comme... T'imagines quelque chose de fucked up, c'est vraiment plus fucked up que ça. De danser devant tous ces gens-là qui crient, qui capotent, honnêtement, j'ai quasiment pleuré. Non, mais c'est vraiment un feeling incroyable. Ça passe tellement vite, c'est tellement de travail. Un mois et quelques de travail pour trois shows, c'est tellement triste. Non, ben quatre. C'est quatre shows. Fait que c'est quatre immenses shows, c'est magnifique, honnêtement. Be grateful, people. Maintenant, je pense que le vibe est nice. Le vibe est très nice. Oh, okay. Quelle émotion. Ouais, on pleure. Vous êtes... Vous êtes tous en petites larmes.